Bonsoir à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce premier numéro du journal de Cap 48. Dès demain, les bénévoles de Cap 48 seront présents à l'entrée de votre supermarché, munis de ceci, des pochettes de post-it Cap 48. Et il vous sera difficile, voire impossible, de résister à nos bénévoles et de les quitter sans votre pochette de post-it Cap 48. Avec Lucky Luke et Natacha en invité vedette. Des dessins exclusifs et ressortis pour les 60 ans de l'opération. La pochette contient ses marque-pages colorés, la liste des courses et une nouveauté, une bulle de BD à coller partout pour mettre un petit peu de fantaisie dans votre quotidien. Véro, je dois attirer l'attention, il faut que j'ai un visage qui flash. Est-ce que tu as une idée pour moi? Ouais, je pense que j'ai une idée. Adrien est en pleine préparation pour la vente des post-it Cap 48. C'est parfait pour vendre des post-it Cap 48. Dès le 29 septembre, retrouvez nos bénévoles et achetez-leur des post-it Cap 48. Les animateurs, les journalistes, tout le monde se mobilise pour Cap 48. Il ne manque plus que vous. C'est à Bruxelles que je vous emmène à présent, avec un projet financé, la ferme Nopilif. Bien connue des Bruxellois, la ferme Nopilif propose une jardinerie, une épicerie, une boulangerie, un restaurant et une ferme d'animation. Mais la ferme Nopilif est avant tout une formidable entreprise de travail adapté qui offre aux personnes handicapées un cadre de travail ajusté à leurs besoins. Un formidable projet d'intégration soutenu par Cap 48 et à visiter sans hésitation. C'est donc demain que commence la vente des post-it Cap 48. Une nouvelle pochette que vous pourrez obtenir auprès de tous nos formidables bénévoles. Réservez-leur un bon accueil. Allez, à demain et n'oubliez pas, nous avons besoin de vous.